Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie d'Oxav. Salut. Et de Farmer Wales. Salut, salut. Donc on se retrouve pour une vidéo tuto sur Sony Vegas Pro 13. Alors le tuto se déterminera sur comment mettre une ou deux vidéos dans son outro. Donc je vais prendre tout d'abord mon outro. Donc déjà vous prenez votre outro comme ceci. Donc vous la mettez. Tu la prends, tu la mets dans ton cul, puis ça va marcher. T'es trop avec ça. Violence. Donc après, vous faites insérer une piste vidéo. Ah ouais, bah bloc canal. Il l'insère dans le trou du cul. Comme un peu. Chut, faut pas dire. Non, je gueule. Je déconne. Donc. Je pense plutôt nous qui sommes en train de la faire. Donc là, par exemple, on va prendre mon intro pour la mettre. Tu vas prendre quoi? Ton cul. Tais-toi un peu, Xav. J'ai l'impression qu'on est bourré quand on parle. Ouais. Donc là, vous pouvez l'agrandir à la longueur que. Attendez, les gars. Là, on peut l'agrandir dans l'intro. On agrandit celui-ci à la longueur que veut. Vous pouvez le mettre. Si vous voulez qu'il dure plus longtemps, bah, vous l'agrandissez. Si vous voulez qu'il dure moins longtemps, bah, vous le rétrécissez. Tout bête. Hop, donc nous, on va le mettre à cette taille-là. Donc là, vous voyez qu'on voit pas l'outro. Donc pour qu'on voit l'outro, vous cliquez là-dessus. Ah, moi, je vois un écran blanc. Oh, c'est toi. Et puis là, c'est pas rétrécir qu'il faut faire, sinon ça zoom. Faut agrandir. Donc voilà, là vous voyez l'outro derrière. Donc vous agrandissez la taille, hop. Donc là vous voyez, donc hop, on dézoome avec la molette. C'est un peu trop petit. Donc on agrandit un peu. On agrandit encore un peu. Puis là vous faites en sorte pour que ça aille dedans. Alors. Voilà, là on n'a pas l'air trop mal. Donc voilà, on peut voir le rendu, qu'est-ce que ça donne. Attendez, ça, petit peu, ça a freeze là. Voilà, donc on met 0, hop, voilà. Voilà le rendu, ce que ça donne. Donc voilà le rendu. Donc là, pour pouvoir mettre, comme moi j'ai deux carrés. Et ben vous faites pareil, vous ajoutez une piste vidéo, vous faites ouvrir. Je vais mettre ben, mon intro de partenariat, ouvrir. Donc ben, là il n'y a pas besoin de la musique comme on a déjà mis une. Fait supprimer, hop, on peut supprimer cette piste là. Donc là je vais la mettre à revenir en boucle, faut la mettre à la même taille, c'est pas grave ça. On clique dessus, on refait la même. Donc on dézoome. Hop. On zoome, on dézoome. On zoome, on dézoome. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'en haut à gauche, j'ai mon intro. En bas à droite, il y a intro sponsorisé de mon partenaire. Voilà. C'est tout simple, tout bête, ça prend 2 minutes. Voilà. Donc après vous pouvez choisir la musique que vous voulez bien sûr. Après vous mettez, ça dépend des outros, si vite vous aurez qu'une image et puis votre image... Ah, mon écran c'est un ordi, c'est con ça. Vous avez votre vidéo. Elle est là, le carré pour mettre votre vidéo, elle est là, bah, au milieu, bah, vous le mettez au milieu. Tout dépend d'où se trouve. Hein ? Pour raconter ma vie, pas dans ta vidéo. Chut ! Et puis, bah, vous... Là, après, si vous voulez faire comme moi, des fois, je fais à la fin, bah, vous ajoutez une autre piste vidéo. Ah. Si vous voulez faire comme moi, vous faites ça. On met « Rejoignez-moi sur Facebook ». Ça, il n'y a pas besoin. Insérer une piste vidéo. Ça, celle-ci, on peut supprimer du coup. Donc, voilà, voilou. Hop. Mais là, ça fait écran noir. Donc, pour pas que ça fasse écran noir. Et bah, moi, je vais là-dedans. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Je marque CHR. Ah là, je mets ça
là-dedans. Je me prends en bleu, faut que mettre le noir. Voilà. En train de faire quoi juste là parce que j'ai pas su. Donc voilà. Merci David. Allez, voyez. Donc voilà. Hop, on va faire pareil pour tout. Alors, donc voilà, donc ça, on supprime, ça. On la met à peu près à la même taille. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà le rendu final. Donc voilà le rendu final. Hop. Puis après, bah vous faites rendre. Alors, vous mettez le nom de la vidéo où vous voulez qu'elle soit. 1080 et tout. Donc là, vous avez fait. Vous avez tout là. Mais bon, moi, c'est là-dedans. Moi, je prends un de ces trois là. Mais normalement, il y en a quatre. Mais bon, il est. Il est planqué quelque part là, c'est pas grave. Donc voilà, et après vous faites rendre en mode terminé. Donc voilà, donc les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'étais en compagnie d'Oxav. Salut. Et de Farmer Wales. Salut, salut les abonnés. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis sur ce, à la prochaine et ciao tout le monde.